Bonjour chers apprenants, nous allons revenir ce matin ou aujourd'hui parler des documents longs, comment travailler dans un document long et structuré, et nous allons montrer comment gérer dans notre document, comment ajouter une page de garde, comment gérer les notes de bas de page, les signer, les renvoies, comment faire une table de matière automatiquement et comment gérer certaines citations bibliographiques. D'abord, nous allons emprunter un texte, mais comme on avait dit dans les vidéos précédentes, dans les séances précédentes, quand vous démarrez toujours l'application Word, il faut d'abord enregistrer, donner un nom avant de continuer. Et pour enregistrer, nous avions quatre choix. Le premier choix, c'était de cliquer sur la disquette dans la barre outils accès rapide. Deuxième choix, on peut faire fichier enregistré. Troisième choix, fichier enregistré sous ou bien avec le clavier, faire CTRL S. Donc, je peux faire enregistrer sous, aller dans document ou le répertoire que je veux et donner un nom qui va coller à mon contenu. Le nom doit toujours être un nom évocateur. Donc, je peux l'appeler document long par exemple. Donc, enregistrer dans document, dans le répertoire document ou mes documents, j'enregistre. Et là, si on regarde la barre de titre, on lit le nom du document. Donc, comme on n'a pas un long document, on peut emprunter. Mais dans la réalité, on a un mémoire, un rapport, un texte qu'on a saisi ou bien qu'on va saisir et appliquer les mises en forme. Donc là, moi, je vais emprunter un texte avec égal rand, sans paragraphe. Voilà, égal R-A-N-D, parenthèse ouverte, sans, pour lui dire, prête-nous sans paragraphe. Donc, on ferme. On appuie sur la touche entrée du clavier et il nous prête 100 paragraphes. Un document. Pour qu'un document soit net, il faut le nettoyer. C'est-à-dire, il faut appliquer la mise en forme. Donc, il faut d'abord sélectionner tout le texte. Pour sélectionner tout le texte, on utilise CTRL A, CTRL enfoncé A. Ou bien, dans Accueil, dans Sélectionner ici à droite, on choisit Sélectionner tout. Comme également, on peut pointer la marge gauche du document en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncé. On clique une fois et tout le document est sélectionné. Mais CTRL A, c'est plus simple du clavier, CTRL enfoncé A. Ou bien dans Accueil, choisissez Sélectionner tout ici. Dans Sélectionner, Sélectionner tout. Maintenant, une fois que tout le document est sélectionné, il faut le justifier. Justifier, si on regarde à gauche ici, toutes les marges, toutes les lignes touchent la marge gauche. Or ici, toutes les lignes ne touchent pas la marge droite. Donc, pour justifier, c'est bien aligné à gauche, bien aligné à droite. Et dans Accueil, dans la zone paragraphe ici, il y a l'icône alignée à gauche, l'icône centrée quand je veux centrer mes lignes. Si je clique dessus, par exemple, un titre, pour mettre un titre au milieu, je clique sur centrer. Pour aligner une donnée à droite, je clique sur aligner à droite. Et là, on voit que toutes les lignes sont alignées à droite, mais pas à gauche. Donc, justifier, c'est quatrième icône là. Je clique dessus et là, je vois que c'est bien aligné à gauche, bien aligné à droite. Ou bien, avec les raccourcis clavier, CTRL plus J pour justifier. Une fois que le texte est justifié, il faut maintenant aérer les lignes. Il faut appliquer l'interligne. Et l'interligne recommandée, c'est 1,5. Donc là, toujours dans Accueil, dans Paragraphe, après justifier, il y a l'icône interligne ici. On clique sur l'icône interligne. Et on choisit l'icône, l'interligne recommandée, c'est 1,5. On clique sur 1,5 et là, il applique, il aère un peu les lignes respirent. Donc, dans Accueil, dans Paragraphe, après justifier ici, interligne, on choisit 1,50. Comme je peux venir afficher la boîte de dialogue paragraphe en cliquant sur le lanceur de boîte de dialogue ici. Et là, j'ai plusieurs options. Dans interligne ici, je choisis 1,50. Et je mets OK. Après, maintenant, il faut donner une taille. La taille de la police, par défaut, il peut proposer 11, mais la taille recommandée pour nos mémoires, nos rapports, etc., c'est entre 12 et 14. Donc ici, toujours dans Accueil, dans la zone police, je déroule ici, cette zone-là, et je choisis taille 12, par exemple. Si je veux 14, 14. Maintenant, pour les titres et autres, je peux augmenter, CS 18 et autres. Donc, on va mettre taille de police 12. Donc, dans Accueil, dans police, on choisit taille 12. Le type d'écriture ou la police, on peut laisser la police par défaut du texte, comme on peut venir ici dans la zone police, cliquer sur la flèche
et choisir par exemple Times New Roman pour l'appliquer à tout notre document. On clique dessus. Après avoir justifié, après avoir appliqué l'interligne 1,50, après avoir donné la taille 12 et après avoir appliqué comme police Times New Roman, on peut maintenant numéroter les pages parce que par défaut les pages ne sont pas numérotées. Donc pour numéroter les pages, il faut aller maintenant sur l'onglet insertion et dans insertion ici, vous verrez numéro de page. Insertion, numéro de page, je déroule numéro de page, il me propose est-ce que je veux numéroter en haut de page. On avait déjà vu ça dans le cours précédent, dans une des vidéos précédentes. Comme je peux mettre le numéro en bas de page. Donc je vais choisir bas de page et il me propose plusieurs formats de numérotation. Donc si on descend, on voit plusieurs types de numérotation qu'on peut emprunter. Donc moi je vais choisir par exemple le numéro normal 3 pour lui dire mets-moi le numéro en bas à droite. Donc dès que je choisis, il va numéroter toutes les pages et se positionner dans le pied de page. Là c'est le corps du texte et là il va directement dans le pied de page. Donc quand on fait insertion, numéro de page, bas de page, si on veut mettre ça en bas, on choisit, il se positionne automatiquement dans le pied de page. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je double-clique dans le corps du texte pour sortir ou bien dans en tête pied de page là, qu'il a ajouté, dans création ici. Je clique sur fermer l'entête et le pied de page. Donc je peux cliquer là pour sortir, pour quitter cette zone pied de page, comme je peux double-cliquer dans le corps du texte pour sortir. Voilà. Et maintenant quand on parcourt notre document, on voit que toutes les pages sont numérotées de la première à la dernière page. 10, 9, 8, 7, 6, ok, 5, etc. jusqu'à la page numéro 1. Maintenant, comment enregistrer, comment ajouter, mais n'oubliez pas toujours, chaque fois que vous apportez des modifications à un document, il faut cliquer sur l'icône enregistrer de la barre, outil accès rapide, il enregistre automatiquement. Donc, ou bien fichier enregistrer, il enregistre automatiquement. Ou bien aussi avec le clavier, contrôle enfoncé S, il enregistre automatiquement. Donc, chaque fois que j'apporte des modifications, après le premier enregistrement pour donner un nom, chaque fois qu'on modifie le document, il faut soit cliquer sur la disquette, il enregistre automatiquement sans afficher de menu, ou bien CTRL plus S, ou bien fichier enregistré. Maintenant, si je veux ajouter une page de garde, par exemple, si c'est un rapport, la première page est appelée page de garde, où on met les informations préliminaires ou qui annoncent quoi, le contenu et autres, et l'auteur du document. Donc, je vais aller dans insertion, l'onglet insertion, là on n'a pas besoin de sélectionner, on va directement dans insertion et dans insertion à gauche vous avez page de garde et dans page de garde il peut nous proposer des modèles. Comme je pouvais laisser une page vierge au départ et mettre un contenu que je veux, mais l'intéressant ici, ce qui est intéressant là, c'est qu'il me propose des modèles et dans ces modèles là il peut nous aider à ne pas numéroter la première page et c'est très intéressant parce que la page de garde n'est pas numérotée. Donc quand je viens sur insertion, page de garde, je choisis un modèle. Par exemple, je choisis ce modèle-là, je clique dessus et il va insérer la première page, voilà, qui sera une page de garde et les autres seront en mode normal. Donc la page de garde, c'est la première page du document et après je peux mettre un contenu parce que c'est un modèle. Maintenant, c'est à moi d'apporter les modifications nécessaires, le titre du document, modifier les informations qui sont là, ou bien même utiliser les outils forme ici pour ajouter du contenu, voilà, mettre ce qu'on veut, voilà, avec les outils dessin et autres. Donc, voilà notre page de garde. Donc, pour insérer, donc on va reprendre, on va annuler avec la flèche annuler, autant de fois. Voilà, j'annule la page de garde. Si je veux reprendre, je veux insérer une page de garde. Je vais dans l'onglet insertion. Et dans insertion, à gauche, il y a page de garde. Et dans page de garde, il y a plusieurs modèles. Je choisis un modèle, je clique dessus. Et il va l'insérer en haut, première page. Après, c'est à nous d'apporter du contenu, modifier le contenu. Par exemple, ici, mettre université cher.
entre Job et Dakar, etc. Maintenant, si je ne vois pas le contenu, c'est parce que il faut aussi changer la couleur des écritures. Donc, dans Accueil, par exemple, pour écrire en rouge, donc je vais mettre ça ici. Par exemple, titre, ou bien utiliser les outils dessin, insertion, forme, zone de texte, dessiner une zone de texte et dedans écrire ce qu'on va écrire. Après, on a vu que on peut sélectionner dans Accueil, centrer, ok, augmenter la taille avec le grand A ou bien ici dérouler taille 20. Je peux mettre en gras, en foncé, si c'est en italique c'est I, pour souligner c'est S, etc. Je peux changer la couleur des écritures ici. Par défaut, il met couleur de police en rouge. C'est la couleur par défaut. Si je clique, il va écrire en rouge. Maintenant, si je veux changer la couleur de police, il faut dérouler et choisir une autre couleur. Voilà, bleu par exemple. Et là, je peux ajouter après ce que je veux en dessous. Là aussi, je mets le titre, etc. Donc, je personnalise ma page de garde. Si j'ai un logo, je peux l'ajouter, etc. Donc, voilà comment procéder pour insérer une page de garde. Maintenant, dans mon rapport, je peux avoir des citations. Je peux prendre un contenu ailleurs, dans un livre ou ailleurs, pour mettre dans mon texte. C'est ça qu'on appelle les notes de bas de page. Les notes de bas de page, je vais afficher mon tableau pour y écrire, nous permettent de personnaliser notre document, les citations, les références, etc. Voilà. Voilà, on était sur les notes de bas de page. Les notes de bas de page, si j'ai une citation, par exemple là, qui ne dépasse pas 3 lignes, je mets cette citation en italique, mais d'abord je mets entre guillemets, comme là, guillemets. Là, la citation ne dépasse pas 3 lignes, je mets guillemets, je sélectionne la citation, je la mets en italique, et après maintenant, je fais ma note de bas de page ici. Donc, une note de bas de page, on clique avant le point, c'est mieux. On va sur l'onglet Références et dans Références, on choisit ici Insérer une note de bas de page. Donc, si la citation ne dépasse pas 3 lignes, on la met en italique, on met entre guillemets, on clique après les guillemets, on va sur Références et dans Références, on choisit Insérer une note de bas de page. On clique dessus et le curseur quitte la zone de texte pour aller en dessous dans la zone pied de page et précédé de 1. Et là, on peut mettre le nom, de, par exemple, si c'est un livre, on va mettre Kamaralai, un exemple. Le livre, L'enfant noir. La page P.22. La page 22. Et si je retourne dans mon texte, là où j'avais laissé le curseur, je vois ici maintenant qu'il a inséré 1-1. Et si je pointe sur le 1, je peux lire le texte de la note qui est en bas. Donc c'est ça qu'on appelle note de bas de page. C'est une note de bas de page. Donc pour faire une note de bas de page, si la citation ne dépasse pas 3 lignes, on la laisse dans le texte, on met en italique entre guillemets. On clique après, on va dans référence et là on choisit insérer une note de bas de page. Je veux faire une deuxième note. Et dans la deuxième note, je vois que la citation dépasse 3 lignes. Par exemple, si c'était ici, donc je mets guillemets, tout ça c'est la citation, elle dépasse 3 lignes. Donc qu'est-ce que je fais? Je convertis la citation en paragraphe, donc je clique devant, je mets entrée pour convertir en paragraphe. Je mets en italique la citation, italique. Donc chaque fois qu'on sélectionne, on a
le menu contextuel qui s'affiche, on peut cliquer sur italique, gras, souligné, etc., taille de police. Donc, je choisis italique. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Après avoir choisi italique, il faut ajouter, faire deux retraits. Un retrait gauche de 2 cm, un retrait droit de 2 cm, c'est déjà bon, comme on peut mettre 2,50, mais 2 c'est déjà suffisant. Donc, si la citation dépasse 3 lignes, on la convertit en paragraphe, on met en italique, entre guillemets, on vient dans accueil, et ici dans la zone, ou bien dans mise en page, dans la zone retrait, ici, mise en page, l'onglet mise en page, retrait, retrait gauche là, je lui dis 2 cm, 2. À droite aussi, 2. Donc, il va faire un décalage 2. Donc, si je sors, voilà, il fait un retrait gauche de 2 cm, un retrait droit de 2 cm. Là, c'est quand la citation dépasse 3 lignes. On l'a converti en paragraphe, on fait deux retraits. Un retrait gauche de 2 cm, un retrait droit de 2 cm en italique. Et là, maintenant, on vient, après le, avant le point, on met notre note de bas de page. Et pour mettre la note de bas de page, on a vu tout à l'heure qu'il faut aller dans Référence. Et dans Référence, ici, choisir AB1. Comme on avait déjà choisi une note, dès que je clique, il va incrémenter et mettre la note 2. Et là, on peut mettre, par exemple, Abdoulaye Sadji, Maïmouna, page 320. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder pour insérer des notes de bas de page. Notes de bas de page. Voilà. Donc, voilà, j'insère autant de notes de bas de page dans mon document. Pour ce qui est de la table des matières. Donc, pour la table des matières, nous allons revenir ici, au début par exemple, et insérer quelques titres dans, dans notre document. Ou bien nous allons voir prochainement dans une vidéo qu'on peut utiliser les styles de Word ici pour générer une table des matières simple. Mais après nous verrons dans une autre vidéo comment, dans un autre cours, comment personnaliser les styles pour générer une table des matières. Par exemple ici, si j'ai un titre comme introduction, c'est un grand titre, je sélectionne et dans style, j'emprunte le style titre ici. Donc il y a plusieurs styles, si vous déroulez là, dans accueil, style, il nous propose plusieurs styles, titre 1, titre 2, titre, etc. Donc pour tous mes grands titres, je peux emprunter le style titre. Voilà, il applique. Page suivante, ici par exemple, je vais faire un saut de page pour amener tout ça à la page suivante. Insertion, saut de page. Et là, je vais mettre par exemple, première partie, je vais mettre ça en majuscule. Je vais mettre UCAD. Donc, première partie aussi étant un grand titre, je sélectionne et dans style, je peux utiliser le menu contextuel, style, ou bien dans accueil. Style ici, c'est toujours un grand titre. Je clique sur titre. Page suivante, j'ai un chapitre. Comme par exemple, ici, j'ai chapitre 1. La faculté des sciences et techniques, FST. Donc, je peux dire, par exemple, pour tous les chapitres, comme les grands titres, j'ai utilisé le style titre. Les chapitres, je vais prendre le style suivant, titre 1. Donc, je sélectionne et dans style, je choisis titre 1 pour tout ce qui est chapitre. Partout où je verrai chapitre, j'utilise le style titre 1. Partout où je vois le style, un grand titre, j'utilise le style titre. Ici, page suivante, j'ai un sous-titre comme le département de maths. C'est un sous-titre. Je sélectionne. Et pour les sous-titres, je dis par exemple, pour les sous-titres, je vais utiliser le style suivant, titre 2. En même temps, je peux lui dire de me numéroter les sous-titres avec petit 1, petit 2, une liste numérotée ou bien une liste à puce. Donc je vais ici dans accueil toujours, là je choisis numérotation 1 numérique. Là j'ai un deuxième sous-titre département de physique. Je sélectionne, c'est toujours titre 2 pour les sous-titres.
numérotation. Comme j'ai déjà choisi le format, je n'ai plus besoin de dérouler. Je clique directement sur l'icône numérotation ici ou là. Il met 2 automatiquement parce qu'il avait déjà retenu 1. Page suivante, j'ai ici chapitre 2. Chapitre 2, FMPO, Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Je sélectionne et nous avions dit que pour tout ce qui est chapitre, c'était le style titre 1. Donc je clique sur titre 1, il va appliquer la même mise en forme que chapitre 1. Là, si j'ai un sous-titre comme département d'odontologie, c'est un sous-titre. Nous avions dit que pour les sous-titres, c'est le style titre 2. Maintenant, la numérotation, comme on doit reprendre, on est dans un autre chapitre, chapitre 2, on doit reprendre la numérotation petit 1. Si je clique directement, il va mettre 3. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux cliquer sur le 3, faire un clic droit sur le 3 et lui dire redémarrer à 1. OK? Je pouvais directement dérouler, choisir la même chose, il va commencer par 1. Mais si je clique directement dessus, il met 3. Donc, dans ce cas-là, si on veut lui dire de reprendre 1, on pointe sur le 3, sur bien le 3, on fait clic droit sur le 3, un menu s'affiche contenant, clic droit avec la souris, redémarrer à 1. On clique sur redémarrer à 1, il redémarre à 1, donc département d'odontologie. Là, on a département de médecine. On sélectionne, c'est un sous-titre. On clique directement dessus, il sait qu'est-ce qu'il faut mettre, c'est 2. Voilà. Mais d'abord, le style, c'est titre 2. Voilà. Ensuite, la numérotation. Le style d'abord, la numérotation. Là, j'ai un grand titre. Je vais faire un saut de page là. Insertion. Parce que les grands titres démarrent toujours les pages, quoi. Donc, saut de page. Deuxième partie. UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est un grand titre. Les grands titres, on avait dit le style titre. Voilà. Ici, si j'ai un chapitre, chapitre 1, UFR français, je sélectionne. C'est un chapitre. Les chapitres, c'est le style titre 1. Ici, chapitre 2, UFR Science, je sélectionne, c'est toujours titre 1, c'est les chapitres, voilà, et maintenant je vais mettre conclusion ici, en faisant un saut de page, insertion, saut de page, voilà, pour démarrer à la nouvelle page, quoi. Conclusion, on sélectionne conclusion, le style c'est un grand titre, donc c'est titre. Voilà, une fois que j'ai mis en forme tous mes titres, mes sous-titres, mes chapitres, voilà, tout est mis en forme avec les styles. Les styles nous permettent de personnaliser nos titres, nos sous-titres, afin de générer une table de matière. Une fois que c'est bon, je peux aller à la fin du document ou bien au début, là où on veut mettre notre table de matière. Donc, on met le titre, table de matière. Maintenant, on va générer notre table de matière. Une fois que les styles sont appliqués sur les titres, les sous-titres et autres, on vient, on met le titre, table de matière. On veut générer notre table de matière automatiquement. On va sur l'onglet référence. Et sur référence, on va à gauche sur table de matière. Référence, table de matière. Et en bas, on choisit table de matière personnalisée. Ou dans d'autres cas, insérer une table de matière. On clique dessus, table de matière personnalisée. Une boîte de dialogue s'affiche. Et nous demandons... Est-ce que nous voulons des pointillés? Chaque fois que nous mettons un titre, pointillé avant le numéro de page, c'est bon. Comme on peut dérouler, lui dire qu'on veut des tirés ou un soulignement. Donc, on va laisser pointillé ou même mettre aucun. Afficher le niveau. Donc, nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les grands titres, les chapitres et les sous-titres. Donc, nous avons 3 niveaux. Si nous avions 4 niveaux, nous allions mettre ici 4. Et maximum de niveau, c'est 9. On ne peut pas dépasser 9. Donc, arriver à 9 même, on ne peut plus continuer. Mais comme on a 3 niveaux, on a les grands titres, on a les chapitres, on a les sous-titres. Donc, afficher les niveaux, on va mettre 3. Comme on a 3 niveaux, et on vient sur options pour personnaliser nos 3 niveaux.
Première chose à faire dans l'option, c'est de parcourir pour voir lui ce qu'il propose. Il propose titre 1 niveau 1, titre 2 niveau 2, titre 3 niveau 3. Nous, on n'a pas choisi ça. Donc, première chose à faire, c'est d'effacer ce qu'il propose. On efface, on vérifie, est-ce que tout est effacé? Voilà, tout est effacé. Maintenant, parmi les styles disponibles qui sont à gauche, quel est le style qu'on a utilisé pour les grands titres? On a utilisé le style titre pour les grands titres, donc c'est le niveau 1. Les grands titres sont au niveau 1, on avait utilisé le style 1. Pour les chapitres, nous avions emprunté le style titre 1, donc niveau 2. Les chapitres sont au niveau 2. Et nous avions utilisé titre 2 pour les sous-titres. Nos sous-titres, comme les départements et autres, nous avions choisi titre 2, donc les sous-titres sont au niveau 3. Donc, une fois que c'est bon, je clique sur OK. OK. Et j'ai ma table des matières. Bien, bien organisée. Bien, ça, c'est parce qu'on avait dans la page de garde, on avait un style là-bas, c'est pourquoi il a mis 0. Donc pour l'enlever, je peux appuyer sur CTRL, cliquer dessus, il va m'amener dedans. Voilà, là, je peux sélectionner et dans style, lui dire que c'est un style normal. Comme ça, quand je reviens dans ma table des matières, je fais une mise à jour, clic droit. Chaque fois qu'on modifie le document, on revient sur la table, on fait clic droit, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table. OK. Et là, voilà, il rectifie, il enlève. Donc, on voit nos grands titres au niveau 1, nos chapitres niveau 2, nos sous-titres niveau 3. Voilà brièvement comment utiliser de manière simple les styles et générer une table de matière. Mais nous verrons dans une prochaine vidéo comment personnaliser nous-mêmes nos styles afin de générer une table de matière personnalisée. S'agissant des références bibliographiques, je peux avoir des sources bibliographiques à insérer. Et dans ce cas-là, dans mon rapport, je vais dans Références toujours. Et là, dans la partie citation et bibliographie, je regarde le style. Et par défaut, le style proposé, c'est le style APA. Mais je peux dérouler et voir le style qu'on me propose de choisir, comme MLA ou GOST ou ISO 690, Références numériques, etc. Donc, je vais laisser le style par défaut à part et venir à gauche choisir insérer une citation, ajouter une nouvelle source. Donc, référence, citation et bibliographie, personnaliser le style, ensuite insérer une citation. Il me dit le type de source, est-ce que c'est un ouvrage? Je dis d'abord, oui, c'est un ouvrage. Il me demande de mettre l'auteur. L'auteur, je vais mettre Léopold. Senghor. Le titre de l'ouvrage, Liberté 1, année. Donc là, je donne des données qui ne sont pas correctes, mais dans la réalité, on met des données juste ville, Paris. Maison d'édition, je vais mettre Harmattan. Voilà, maintenant là, ça, c'est les données par défaut qu'on peut renseigner, des champs qu'on peut renseigner. Mais je peux vouloir mettre d'autres champs, comme par exemple les tomes, l'éditeur, etc. Donc là, je coche afficher tous les champs bibliographiques. Si je coche cette case-là, il va afficher d'autres champs comme pays, selon le type d'ouvrage qu'on a choisi, volume, nombre de volumes, et qu'on peut renseigner également. Mais si on remarque bien, en rouge, c'est les champs qu'il avait proposés, qui sont recommandés pour ouvrage. Donc, je pouvais ne pas cocher là, sauf si je veux ajouter d'autres contenus et mettre OK. Donc, si je mets OK, comme j'ai choisi le style APA se présente ainsi. Il met l'auteur, le nom de l'auteur, l'année. Si je vais à la page suivante, je vais insérer une source ici. Je peux mettre ça après le point. Hein. Voilà. Je vais sur insérer une citation. Toujours dans référence, citation, insérer une citation. Et qu'est-ce que je remarque? Toutes les citations créées seront visibles ici. Si c'est la même source, je clique dessus. Sinon, j'ajoute une nouvelle source. Donc, ajouter une nouvelle source. Je vais changer. Au lieu d'ouvrage, maintenant, c'est article de journal. Auteur, je vais mettre Moussa Diop. Titre, la paix. Nom du journal, je vais mettre n'importe quoi, hein. L'équipe, année 2000, page 3.
et je mets OK. Voilà, il met la source ici. Si j'ai une autre citation, ici, insérer une citation, ajouter une nouvelle source. Par exemple, je descends, je choisis site web, auteur, Marie Wendy. Nom de la page web, dakaractu.com. Nom du site web, je vais mettre www.dakaractu.com. Année 2013, mois juin, jour 20. URL, c'est l'adresse complète d'un site web. http://www.dakaractu.com. Voilà, et je clique sur OK. Voilà, une fois que j'ai inséré toutes mes sources maintenant, je peux aller là où je veux insérer ma bibliographie, mettre mon titre. Moi, je vais aller à la fin. Mais généralement, ça, il faut le faire avant la table des matières. Parce que bibliographie est un titre qui doit être inséré aussi dans la table des matières. C'est la table des matières qu'il faut faire à la fin. Donc, bibliographie, c'est après la conclusion, on fait la bibliographie. Donc, bibliographie, maintenant, je veux générer ma bibliographie, toujours dans référence, dans citation et bibliographie, on choisit l'option bibliographie ici, et on va en bas, on choisit insérer la bibliographie. Donc, ici, référence, bibliographie, insérer la bibliographie, et automatiquement, on a notre bibliographie bien organisée. Donc, voilà. Brièvement présenter comment insérer des références bibliographiques et citations et comment générer une table de matière. À très vite, donc toujours n'oubliez pas d'enregistrer, de fermer, fichier, fermer, et si vous voulez quitter autre, vous cliquez sur la croix pour sortir. Donc à très vite pour la suite.